Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce énième tweet de Elon Musk qui a fait rage sur une crypto-monnaie. Elon Musk, grâce à son tweet, a fait gagner une crypto-monnaie plus de 1000% en un seul jour. Donc, en un seul jour, la crypto-monnaie a gagné plus de 1000%. 1000%. C'est énorme. 1000%, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez investi 100 dollars le matin, le soir, vous seriez avec 1000 dollars. Donc, vous auriez 1000 dollars dans votre compte. Donc, si vous aviez investi, par exemple, plutôt 1000 dollars, vous auriez 10 000 dollars le soir. Donc, là, vraiment, Elon Musk, chapeau. Chapeau Elon Musk, ça c'est. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a qu'Elon Musk pour faire des choses pareilles. Et ne voyez pas mon sourire, vous pensez que je suis tout à fait d'accord avec cela. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette pratique. Donc, on verra ensemble de quoi il s'agit dans cette vidéo. Et quotidiennement, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si cette thématique ou bien l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors, les amis, Elon Musk a encore frappé fort. Ce gars, il a encore frappé fort, mais alors très, très fort. Donc, grâce à ce tweet-ci, Elon Musk a porté la crypto-monnaie Flukey Shiba au sommet. Si on peut dire cela ainsi, il a porté la crypto-monnaie au sommet, donc à plus de 1000% de croissance en un seul jour. Donc, en un seul jour, la crypto-monnaie a fait des bons extraordinaires. La crypto-monnaie a vraiment fait des bons extraordinaires. Et pourtant, qu'est-ce qu'est Floki Shiba Inu? Est-ce que c'est vraiment une crypto-monnaie intéressante? Est-ce que c'est un projet waouh? Est-ce que c'est un projet qui vient résoudre un problème concret ou bien qui vient résoudre un problème bien précis? Non, non, c'est juste un shitcoin, c'est juste une crypto-monnaie de blague. On se rappelle très bien lorsque la crypto-monnaie Shiba Inu avait explosé et par la suite, donc quelques jours après, Elon Musk lançait un tweet avec un nom Floki dessus. Donc moi personnellement, je n'avais pas pris cela au sérieux. Parce que quelques instants après son premier tweet sur Floki, on a vu le marché être inondé de crypto-monnaies sous le nom de Floki. Il y a eu beaucoup de crypto-monnaies qui ont été créées sous ce nom-là. Donc aujourd'hui, après le tweet d'Elon Musk, une des crypto-monnaies Floki a gagné plus de 1000%, donc plus de 700%, et voire même plus de 1000% juste en 24 heures. C'est énorme. C'est tellement énorme que c'est à se demander s'il faut souvent suivre les conseils d'Elon Musk, s'il faut souvent suivre ses tweets qu'il balance sur Twitter. Parce que si quelqu'un avait suivi son tweet, si quelqu'un avait directement investi après son tweet, c'est qu'il a fait plus de 1700% en l'espace de 3 jours et autres. Mais moi personnellement, je ne vais jamais conseiller quelqu'un d'investir sous impulsion, d'investir de cette façon-là. Donc ça, c'est un manipulateur. Elon Musk, c'est un manipulateur. Je ne pense pas que c'est une personne qui aime trop les chiens, ou bien je ne pense pas que c'est une personne qui a une affection particulière envers les chiens, ou bien envers la santé des chiens. Non, je ne crois pas. Personnellement, ça c'est mon avis à moi. Je ne crois pas. Je crois que ce dernier a une idée derrière la tête. Il a vraiment une idée derrière la tête. Et n'oubliez pas que ce gars est l'un des meilleurs businessmen actuellement sur Terre. C'est l'un des meilleurs businessmen sur Terre actuellement. Donc, penser qu'il fait un tweet pour rien, ou bien penser qu'il fait un tweet parce qu'il aime les chiens et autres, là, c'est juste de la blague. Selon moi, ce gars a des idées derrière la tête. Peut-être chaque fois qu'il fait un tweet, peut-être avant de faire un tweet, il effectue des opérations. Ça, c'est juste une supposition. Ce n'est pas une certitude. Peut-être il le fait. Et s'il le fait, il gagne bien. S'il le fait vraiment, il gagne très très bien. Donc, supposons par exemple qu'il. Pas il investit 10 000 euros ou bien 500 000 euros, qui pour lui déjà n'est rien, ce n'est strictement rien s'il investit 500 000 ou bien 1 million sur une crypto-monnaie comme
Floki Shiba Inu par exemple. Donc, il investit dessus, il s'envoie sur Twitter, il effectue son tweet et les gens se ruent sur la crypto-monnaie en question. Elle prend 1000% comme elle a pris 1000% hier ou avant-hier. Elle prend 700% ou bien 500% en un seul jour. Et le gars vend la crypto-monnaie en question, mais qui est gagnant derrière? C'est lui qui est gagnant. Donc, si une personne fait 500% de 500 000 euros ou bien 500% de 1 million d'euros, c'est énorme. Vous voyez que c'est énorme. Et en combien de temps? En moins de 3-4 jours. Donc, c'est énorme. Vous générez des millions en quelques jours et en un claquement de doigts. Donc, c'est peut-être ce que ce dernier fait. On ne sait pas. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas. On ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. Donc, personnellement, j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas parce que selon moi, ce n'est pas éthique. Il est déjà assez milliardaire ainsi. Donc, selon moi, ça ne sert à rien de venir encore grignoter l'argent du bas peuple. Parce que là, à ce niveau, c'est l'argent des petits épargnants, des petits investisseurs qui vont aller en fumée, pensant qu'ils vont pouvoir se faire du 10 000% ou bien 20 000% avec une crypto-monnaie. Pareil. Donc ce n'est pas vraiment éthique. Mais malheureusement, dans le business, on ne connaît pas ça. Malheureusement, dans le business, tant que ça rapporte, on est dedans. On ne gère pas le moral, on ne gère pas les émotions, on ne gère pas la compassion et tout ça. Donc non, dans le business, c'est le sang à l'œil. Donc dans le business, c'est le sang à l'œil. Donc sûrement, après cette vidéo, il y aura certaines personnes qui vont vouloir investir leur argent dans cette crypto-monnaie. Donc personnellement, si vous voulez mon avis, je ne vais jamais investir sur un projet pareil. Je ne vais jamais investir sur une crypto-monnaie pareille. Une crypto-monnaie qui est manipulée par un simple tweet. Donc, quelqu'un, un être humain comme vous, c'est vrai, bon, il n'est pas comme nous, mais disons de façon générale que si une seule personne réussit ainsi à manipuler le marché, c'est que c'est très très grave. À manipuler une crypto-monnaie de façon très très simple ainsi, avec un tweet qui n'a peut-être même rien à voir avec la crypto-monnaie en question, c'est que c'est très grave. C'est que c'est très très grave. Et selon moi, il ne faudrait pas investir sur une crypto-monnaie pareille. Parce qu'investir sur une crypto-monnaie pareille, c'est comme jouer au loto, quoi. C'est comme jouer au loto. Et si vous entrez au mauvais moment, vous allez perdre tout votre argent. Donc faites vraiment attention. Faites attention aux crypto-monnaies ou bien faites attention aux projets qui sont manipulés par des personnes. Faites attention aux projets qui n'ont aucun fondement, aux projets qui n'apportent rien de nouveau. Donc des projets pareils, des projets comme Floki Shiba Inu, il n'y a vraiment rien d'intéressant derrière ce projet. Ou bien il n'y a vraiment rien d'innovant derrière ce projet. C'est la raison pour laquelle moi personnellement je ne vais jamais investir sur une crypto-monnaie pareille. Vous pouvez avoir la chance, vous investissez dessus et la crypto-monnaie, ça continue à faire comme c'est en train de faire actuellement. Ça continue à faire 5 000%, 10 000%, 15 000%, même 100 000% avant de chuter. Mais la crypto-monnaie peut aussi descendre moins 10 000%, moins 20 000% et autres. Donc, faites très très attention. C'est vrai qu'on ne peut pas descendre à moins 20 000% en un seul jour, mais la crypto-monnaie peut perdre beaucoup de sa valeur. Donc, faut vraiment faire attention aux projets manipulés par une seule personne. Juste une seule personne. Non, là, c'est énorme. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et il faut prendre ses précautions. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je ne vais pas investir dans ce projet. Mais bien sûr, vous êtes libre d'investir dessus ou pas. Parce que vous pouvez investir, comme j'ai dit, vous pouvez investir et vous gagnez. Ou bien vous pouvez investir et vous perdez la totalité de votre investissement. Surtout sur des crypto-monnaies pareilles. Parce qu'après ce buzz, on va oublier la crypto-monnaie en question. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est cette information-ci que je voulais échanger avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'investir, c'est intéressant de risquer un certain capital pour cette crypto-monnaie ou bien c'est mieux de ne pas investir dessus? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous vouliez investir dessus, quelle portion de votre capital vous consacrerez à cette crypto-monnaie? Donc, laissez vos commentaires et je serai ravi d'échanger avec vous. On va simplement se prendre très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.